GeekGen, la culture 200% geek. Eh bien salut à tous, c'est Dixie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le test high-tech. Pour un test high-tech, on va tester le PC de Dell. Et quand je parle de Dell, je ne parle pas d'Alienware, je parle bien de Dell Gaming. On va tester leur laptop gaming G5 sur un écran 15 pouces avec un processeur i7 de 8e génération, avec une GTX 1060 intégrée, une 1060 avec 4Go de RAM dédié, un disque dur SSD de 512Go et un autre disque dur HDD d'1Tera couplé à ça, avec 16Go de RAM pouvant être embarqué. J'ai pu tester ce PC. Dell est très connu justement pour la partie professionnelle, même pour la partie particulière avec ses inspirants, ses latitudes, etc. Là, on se retrouve vraiment avec une gamme qui est équilibrée entre ce qu'on pourrait avoir sur un inspiron et un latitude professionnel ou un Alienware vraiment dédié pour le gaming. On a par contre de gros radiateurs à l'arrière, et ça c'est vraiment important en vue du châssis. Il souffle, il fait assez bruit, mais on n'est pas déçu du refroidissement, en sachant que le pad ici est refroidi et maintient la température tout le temps. J'ai testé, comme vous pouvez voir sur la vidéo, quelques games sur Counter-Strike. Le jeu lag un peu parce que je ne l'ai pas optimisé, mais en vue de la performance et des caractéristiques techniques que je vous ai dit, il ne devrait pas y avoir de soucis pour faire tourner n'importe quel jeu actuel, surtout avec une 1060. Vous pouvez lancer n'importe quel jeu. Je ne dis pas que vous allez le lancer en ultra, mais par exemple pour ceux qui veulent, je ne sais pas, faire des petites games, d'autres, de Fortnite ou autre, vous pouvez sans souci mettre les graphismes en élevé et avoir 60 FPS constant. Que dire de plus sur ce PC? Ce que je pourrais éventuellement regretter, c'est la finition. Je parle uniquement de l'écran, des bordures. Quand vous le pliez, vous voyez que l'écran ici se décolle légèrement de cette barre-là. Ça se décolle légèrement. Donc à éviter voilà, de bouger à chaque fois. Après par contre j'étais vraiment surpris, c'est sur la qualité des touches du clavier qui sont intégrées directement. Donc vous n'avez pas toute la bande comme on avait avant pour changer le clavier. Là c'est vachement des touches courtes, hyper réactives. Le trackpad c'est pareil, il est assez smooth et assez réactif. C'est vraiment plaisant de pouvoir jouer justement et pouvoir travailler en même temps sur ce genre de machine. Je le recommande vraiment. Maintenant, si vous voulez un PC portable gaming aux alentours de 800-900€, vous en trouvez plein dans le marché. Mais honnêtement, si vous voulez être avec un produit qui est fiable, alliant bureautique et gaming, et que vous connaissez bien sûr Dell, je vous invite surtout à prendre ce genre de produit. On connaît tous, ou la plupart, surtout dans le milieu professionnel, la qualité du service support de Dell. Rien que pour ça, moi je vous recommande vraiment ce type de produit. Vous êtes sûr que vous avez un produit fiable dans les mains et que, on peut savoir que même pour les étudiants, que 800-900€ peut être un investissement. Bah là, vous ne serez pas déçu. Moi, c'était un plaisir de pouvoir tester ce genre de produit. C'est la première fois que je teste du Dell Gaming. J'étais toujours basé sur du Alienware, qui était pour moi basé sur du très haut de gamme pour des personnes ayant un budget énorme qui veulent faire une config master kill. On a encore vu justement le PC Area 51, je crois, un master kill. Voilà, on a toujours cette idée de Dell de dire voilà, c'est de la qualité, c'est de l'ultra performant, c'est du cher. Là aujourd'hui, on a un PC portable équilibré avec un prix correct, avec des performances pas non plus des haut de gamme non plus, mais amélioré, équilibré, dédié pour le jeu, taillé avec une performance, avec un rapport qualité-prix nickel. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était Elixir. Peace tout le monde. GeekGen, la culture 200% geek. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Et on lit tous vos commentaires.